La seule légitimité du CSA, c'était la régulation des fréquences télé, et où il y a un mode de régulation parce qu'il y a un nombre fini de fréquences. On ne peut pas diffuser 2 millions de chaînes de télé en hertzien en France. À l'opposé, on peut très bien diffuser 2 millions de sites web avec des contenus vidéo en France, sans aucun problème. Donc il n'y a pas de rareté à réguler. Donc le CSA n'a plus de raison d'être à partir du moment où le canal de diffusion hertzien devient minoritaire dans la diffusion de la télévision. Et donc les gens du CSA ont très bien compris qu'avec Internet, ils allaient mourir. Que quand tout ce qui est radio-télé passera entièrement sur Internet, c'est-à-dire dans très peu de temps, hein, il y a déjà plus de gens qui regardent la télé par le câble, l'ADSL, que par la TNT. Enfin, c'est déjà un fait. Il y a plus de temps de cerveau utilisé, enfin, il y a de plus en plus de temps de cerveau utilisé sur Internet. Pour la première fois depuis 60 ou 70 ans, le temps moyen passé par Français devant la télévision a commencé à baisser depuis 2-3 ans, un truc comme ça. Ouais, mais ça fait 70 ans que ça montait. Et là, ça a commencé à baisser, ce qui est sur des volumes qui sont énormes. Donc voilà, le CSA sent sa mort arriver, il essaye de se raccrocher aux branches et s'il essaye de réguler le contenu sur Internet, il va mourir. Ouais, sur la grogne et les activistes, c'est important de voir aussi que quand il y a des tentatives de limiter la liberté d'expression, on va dire pour faire simple, sur Internet, ça va très vite, très fort, très loin, et en général, ça bouge les lignes. Donc tu parlais de la quadrature, et sur ACTA, par exemple, le fameux dispositif européen dans lequel étaient mis énormément de choses sur une possibilité pour les opérateurs. Non, mais je parlais d'ACTA, là. Oui, c'est un traité aussi entre les États, mais qui était sur l'Europe, en tout cas qui a été combattu sur l'Europe. C'est vrai que c'est l'activisme par Internet et par des associations, entre autres la Quadrature du Net, que la chose a été arrêtée, enfin a été votée non par les parlementaires, quoi. J'adore ce que vous dites, mais ça m'a l'air un peu optimiste. Je voudrais juste pour vérifier, j'y connais pas grand-chose, mais en Iran, en Chine, il y a des freins majeurs sur Internet, pour ce que je comprends, pour des gens qui en reviennent et qui me disent qu'ils n'ont pas accès à tout. Alors peut-être que les super hackers se débrouillent pour ne pas se faire flinguer. Et j'allais dire quand même en France aussi, j'ai eu droit à l'avertissement numéro 1 de Adopi, le mail, attention, si vous continuez, je ne sais pas quoi d'ailleurs, mais en tout cas, évidemment que j'ai l'impression quand même qu'il y a beaucoup de lois qui sont faites pour que la menace pèse. On fait exprès de ne flinguer qu'une personne sur 1 million, mais ça suffit pour que le million ait peur, parce qu'on flingue très lourd. Donc, ça m'a l'air un peu optimiste, votre truc. J'aime bien plus de... C'est vrai ce que vous dites, mais pour parler de l'Iran, de la Syrie ou de la Libye, qui sont des sujets qu'on a beaucoup traités sur Reflet, je vous engage à aller lire tous nos articles sur le Deep Packet Inspection. Le Deep Packet Inspection, qui est un moyen de surveillance globale de tout ce qui passe sur le réseau, si on veut. Ça existe aussi en France. On vient de faire un truc avec Mediapart sur une entreprise qui s'appelle Cosmos, qui a ils appellent ça une business unit, qui travaille en très étroite collaboration avec la DGSE. J'ai peine à croire que ce soit pas pour surveiller ce qui passe en France. Et je pense que, enfin, Benjamin me détrompera peut-être, mais je pense que le rêve ultime de l'Hadopi était de pouvoir avoir du DPI un peu partout chez les FAI pour pouvoir empêcher, entre guillemets, le téléchargement illégal. Mais ça peut avoir des conséquences intéressantes parce que, comme on l'a survolé tout à l'heure dans tout ce qu'on a dit, ce réseau a une capacité d'adaptation terrible, hein, et il mue. C'est-à-dire que si un jour on dit il est interdit de télécharger via BitTorrent, demain il y aura une autre technologie qui arrivera et qui permettra de continuer à télécharger. C'est pour ça que je disais que le CSA, bienvenue pour une nouvelle tentative, hein, ça ne marche pas. Attendez, ce sont les utilisateurs qui. Il y a quelque chose, il y a un grand changement aussi qui est apparu. Avant, les entreprises imposaient des modèles. Vous aviez le CD, vous aviez le 33 tours, vous aviez du Windows comme si, le son c'était un truc propriétaire de chez Sony, machin. Ça ne marche plus depuis Internet. Ce sont les utilisateurs qui font les standards. C'est-à-dire que tout d'un coup, il y a un mec qui a sorti le MP3
parce qu'il avait besoin d'envoyer un fichier à un pote et que sinon c'était trop gros. Et tout le monde s'est dit, ouais, c'est vachement bien ce truc-là. Et c'est devenu un standard. Ce n'est pas une entreprise qui l'a créé. Donc demain, qu'est-ce qui va se passer ? Si nos gouvernements continuent à aller dans le sens de la surveillance globale d'une société panoptique, finalement, les gens vont commencer à se mettre à réfléchir comment je peux faire pour ne pas être aussi visible. Les gens vont poser des questions et Internet va leur répondre. Internet est très sympa, il répond toujours. Et c'est super poli, c'est dans le principe de base. Vous envoyez une requête à une machine, elle vous répond. Vous envoyez une requête sur le réseau, il y a quelqu'un qui vous répond et qui vous dit bah, si vous voulez passer sous le radar qui a été mis en place, vous allez installer un VPN, vous ne savez pas comment l'installer, on va vous aider. Vous, vous chiffrez vos mails avec GPG, ça va super bien marcher. Ok, on va vous expliquer comment le faire, même si vous ne savez pas le faire. Vous avez des tutoriels partout, etc., etc., etc. Donc c'est un truc mouvant. On ne peut pas le figer et nos politiques se trompent en pensant qu'ils arriveront à figer ce réseau et à nous imposer une utilisation. Il y a un élément de réponse qu'il faut apporter qui est très factuel. Ça ne marche pas en Iran et en Chine non plus. Je détaille ma réponse. Ça ne marche pas en ce sens que il n'y a pas besoin d'être un hacker très brillant pour réussir à contourner le filtre. Et en fait, ça ne marche en Iran et en Chine que parce que la population le veut bien. C'est en fait, ça ne marche en Iran et en Chine que parce que l'ensemble de la société n'est pas une société ouverte. Et c'est l'élément clé. Si je prends des mots simples, qui sont factuellement pas vrais, mais plus simples, l'Internet peut être filtré et dictatorial en Chine parce que la Chine a une structure dictatoriale. L'Internet peut être filtré et dictatorial en Iran parce que l'Iran a une structure dictatoriale. La France n'a pas une structure dictatoriale pour le moment. Il y a des velléités chez nos politiques, il y a des envies. Ces envies sont, selon le point de vue qu'on en a, très fortes sur certains aspects. C'est en particulier, comme le numérique leur fait très peur, ils ont tendance à proposer des trucs ahurissants dans le monde du numérique. Ils proposent une privatisation totale de la police, par exemple. C'est fait, c'est pas proposé, ça, c'est fait. La police sur le numérique, c'est pas la Hadopi. Ce sont les ayants droit. C'est-à-dire, c'est Vivendi Universal qui fait sa police privée. Vous ne l'accepteriez nulle part ailleurs. Les boîtes qui font leur police privée et ce que déclare la police privée de l'entreprise privée fait foi comme étant un vrai témoignage de policier et comme étant ayant valeur de procès verbal, vous ne l'accepteriez nulle part. Juste sur Internet, ça passe parce que les gens ne comprennent pas bien. Enfin, ça passe mal, hein. Adopi, c'est très très mal passé politiquement. Et nos politiques ne se rendent pas bien compte de ce qu'ils font. C'est pour ça que la décision du Conseil constitutionnel qui a torpillé la première version d'Adopi est aussi importante. Elle a mis une claque à nos politiques en leur disant « Attention, vous pensez que vous êtes en train de priver les enfants de dessert et que c'est pas grave, c'est Internet, c'est un jouet, c'est pas sérieux. » La réponse du Conseil constitutionnel qui était « Pour priver quelqu'un de l'accès à Internet, il faut la décision d'un juge parce que c'est une liberté fondamentale », c'est quelque chose d'énorme. On aurait demandé il y a 4 ans que soit inscrit dans la Constitution française que l'accès à Internet est une liberté fondamentale, tout le monde nous aurait ri au nez. C'est une décision du Conseil constitutionnel. Donc, ce qui fait que ça peut fonctionner, ce filtrage, en Iran ou en Chine, c'est parce que la société est viciée et fait que ça fonctionne. Et c'est ce qui fait qu'en France, ça fonctionnerait aussi mal. À l'heure actuelle, il y a trop de facteurs d'ouverture en France. Je donne des exemples très simples. Un endroit où ça fonctionnait très bien, c'est l'Égypte. Pourquoi ? Parce qu'il y avait 4 opérateurs en Égypte. Il y en a 1300 déclarés à l'ARCEP en France. Sur les 1300, il y en a à peu près une cinquantaine qui sont des associations loi 1901, dont 25 sont membres de la fédération FDN. C'est très compliqué de convaincre les 1300 opérateurs, dont 25 ou 50 anarcho-gauchos, machin bizarre, associativo-bordéliques, de faire ce que le gouvernement leur demande. Pour réussir à faire ça, il faut faire quelque chose que l'extrême-gauche préconise, qui est reconstituer le service public de France Télécom. C'est on prend les 1300, vlan, on nationalise tout le monde, on dit c'est France Télécom, ça, ce sera aux ordres du pouvoir.
Ça, ça marche pas. Dans une structure de pouvoir qui a des velléités pareilles d'avoir des comportements dictatoriaux, tout renationaliser, c'est super dramatique. C'est la première chose que font les États fascistes. Reprendre la main sur les infrastructures essentielles. Donc, il faut pas perdre de vue. Ce qui fait que ça marche en Iran et en Chine, c'est ce type de structure. Pourquoi ça a marché en Tunisie? Pourquoi ça a marché en Égypte? Et pourquoi ça marche beaucoup moins bien depuis un certain temps en Tunisie et en Égypte? C'est en grande partie parce que la population a évolué et a évolué par les discussions qu'elle avait sur Internet, malgré le fait que ce soit filtré. Et donc, il faut repérer même les mécanismes très lourds mis en œuvre pour filtrer, pour censurer, pour fliquer, ont relativement échoué. En Tunisie, ça a échoué. En Égypte, ça a échoué. En Iran, c'est en train d'assez mal se passer, c'est-à-dire que toutes les velléités d'ouverture qu'il y a dans la société iranienne viennent du réseau. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont beau vivre sur un réseau entièrement fermé, avec très peu d'accès aux outils que vous connaissez, les Facebook, les Gmail, etc., ils ont accès à des versions internes qui n'existent qu'à l'intérieur de l'Iran. Il n'empêche que ça produit le même résultat. C'est-à-dire que les gens peuvent discuter entre eux, oh, pas de ce qu'ils veulent, mais ils peuvent discuter entre eux. Et le simple fait que les gens puissent discuter entre eux produit des effets sur la structure de la société. De la même manière que l'imprimerie, même censurée, même adossée sur un privilège royal, même superfliquée comme elle l'a été en gros de 1550 à 1780, ça a quand même permis de faire Voltaire. Et alors évidemment, à chaque fois qu'il était emmerdé en France, il allait publier aux Pays-Bas, et puis on faisait traduire ses écrits dans telle ou telle langue ailleurs, et puis... mais voilà, enfin... ça tournait, malgré la censure. Donc il faut savoir que pour que la censure fonctionne bien, il faut que le pays structurellement soit charpenté pour ça. J'ai souvenir d'une anecdote idiote sur la Chine, une amie qui étudiait en France, qui était chinoise, qui parle évidemment un français très courant depuis, et qui depuis, je crois, est mariée à un Belge ou un truc comme ça. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue. Quand elle était toute jeune étudiante qui venait de débarquer en France et qu'elle parlait mieux anglais que français, elle savait très bien que Internet était filtré en Chine, et elle me regardait avec de grands yeux ébahis en me disant « Mais enfin, le gouvernement fait ce qui est nécessaire pour le bien du peuple. » Elle me fait « Ah, effectivement, vu comme ça, qu'est-ce qu'on veut répondre ?» Et elle y croyait, elle n'est pas débile. Elle a deux diplômes d'ingénieur en Chine, elle en a passé un troisième en France, elle est bardée de diplômes, elle est extrêmement brillante. Et elle me répond, mais avec la plus grande naïveté du monde, le gouvernement fait ce qui est nécessaire pour le bien-être du peuple. Et tant que les mentalités sont comme ça,